Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. D'accord, mais non, mais les gars, là, je sais qu'il s'est passé un truc pas cool, hein, mais vous allez tous faire ce que vous avez devoir faire. Dormir! Ça, c'est un bon concept, ça. Dormir, ouais. Et même le petit bichon là, à dormir aussi. Allez, zou, tout le monde au dodo. Et vous l'avez peut-être compris et vu et remarqué, nous sommes dans une famille de roues. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de blond. Albert est parti également pour la guerre. Et qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle parle à ses yeux. Oui, mes yeux, mes yeux. Mais qu'est-ce que tu fais là, madame? Je pensais que t'étais partie, moi. T'étais en train de vomir dans les toilettes la dernière fois qu'on t'a vu. Mais toi, va dormir, idiote. Bon. Bon, en tout cas, petit contretemps, hein. Albert est donc bien parti de son côté aussi à la guerre. Voilà. Et sa femme est là. Avec une superbe bague œil. Je sais pas d'où ils sortent ça, mais bon. Il y a quelque chose qui... Voilà, ah bah c'est dans le chiot dans lequel elle a gerbé et elle l'a cassé. C'est super! Merci Marguerite. Ça, on peut, ouais. On peut pas l'utiliser parce que c'est un traiteur qui l'a fait. Très bien. Bref, voilà, c'est la journée des farces. Ah bah ça alors, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup, faire des farces? Commencer à réfléchir à des farces. Ah oui, et puis ça y est, nous sommes en hiver. Alléluia! Nuageux, froid, nuageux. Donc peut-être que nous n'aurons pas de pluie aujourd'hui, hein? On espère. Ça serait la première fois depuis longtemps. Et va falloir aussi qu'on s'intéresse au cas de Arthur, puisque Arthur va vieillir aujourd'hui. Voilà. Oh punaise, il est quand même vachement bien, hein? Il va remonter cette contrôle des émotions, résolution de conflit, c'est très très bien. Sachant que j'en suis quasiment pas intéressée à lui. Gustave a grandi encore dans 7 jours, lui on a le temps. Et Germaine, dans un jour. Ok, très bien. Eh bien, la famille de Roux de Saint-Paul est ravie. Voilà, les places se libèrent une à une. De toute façon, bien sûr qu'il va y avoir le lancer de dés pour tout ce qui est... Eh bien, savoir le sort de Pierre-Nard, le sort d'Albert, parce qu'ils ne sont peut-être plus ici dans le foyer, mais on ne les oublie pas. Ils sont toujours dans notre cœur et dans notre mémoire, et bien sûr, je vais tirer au sort très bientôt. Je ne sais pas exactement quand, faut que je vois combien de temps Pierre-Nard est parti, et je me dis, allez, au bout d'autant de temps, je tire le dé, et je sais s'il va vivre ou pas. Voilà. Alors, ma petite Jojo, oh là 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 là, 3 jours avant qu'elle devienne vieille. Elle se lève la première. Tu vas prendre un morceau de gâteau et tu vas le ranger parce que comme ça on fera un peu des économies. Pourquoi? Qui a laissé ses devoirs? Je sais pas. Oh, t'as vachement de trucs, toi. Bah c'est lui. Bon, bah tu mettras dans l'inventaire. Mais non, mais t'es pas obligé non plus de te lever dans la seconde. Gustave va faire une phase. Alors, je t'ai dit de prendre tes devoirs. Donc, à un moment, tu me casses les couilles. Alors, tu vas les faire. Comme ça, au moins, c'est fait. Et après, tu iras réparer ça. Voilà. Tu râles, tu fais pas ce que je te demande. Et après, tu pourras éventuellement manger. Éventuellement. Arthur, il se lève. Lui, il a. Non, mais tu vas pas te divertir, mon coco. Tu vas aller. Va aux toilettes. Bon, bah, va dans la chambre de tes parents. Voilà. Tu vas complimenter ta maman. Voilà. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec ta mère? Chanter une chanson du jour férié. Bah écoutez, on va pouvoir voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sale? Oh. Mais il est où mon piano? Ah, mais c'est vrai, je suis con, je l'avais mis là. Oh là là! J'ai cru qu'on me l'avait piqué.
Non, mais quand même, j'oublie moi. Puis bon, Albert n'étant plus là. Le piano. Ah bah il rentrait plus, hein. Bah oui, hein, j'ai pas mis mon objet, hein. Et bah tant pis, on va le laisser là où il était. Hein? C'est pas grave, on va laisser là comme ça. Oui, alors monsieur. Monsieur Albert. Vous voyez, Albert. Première chose qu'il fait quand il est à la guerre. Il dit. Bon, un peu, c'est Bernard fait la même. Il dit, ouais, vas-y, je vais passer. Bah non. Alors la tenue que vous voyez là, c'est... je n'ai pas trouvé de costume, bien sûr, typiquement des soldats de la guerre 14-18. Donc j'ai fait un semblant d'eux. Donc ils étaient habillés en rouge et bleu. Le rouge, la casquette rouge, des chaussures rouges et les pantalons bleus. Bon, bien sûr, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Mais bon, on dira rien, c'est un semblant. Oui, ok. T'es parti faire quoi, toi? Ah! Parti dans le jardin. Ah, les rosiers de Noël, du coup, poussent. Ah oui, dis donc. Ah, tu vas tout arroser. Toi, tu... Ouais, c'est bien, t'as parlé à ta mère, on est content. Va manger un truc. Va manger un truc, après tu vas te détendre. Et puis, on va te trouver une nana, parce que ça va... Oh, Eugénie! Bah oui, Eugénie. Vous vous souvenez d'Eugénie sans cheveux? Bah, maintenant, c'est Eugénie avec cheveux, mais elle est encore ado. Il nous faudrait Lisa Chevalier ado. Tac, tac. Bon, après, il connaît pas grand monde. Donc, il faudrait peut-être sortir pour voir si on peut rencontrer des sympathiques jeunes filles pour caser notre garçon. C'est tout ce qu'il y avait à faire, Cocotte? T'es sûre là? T'as pas l'impression que tu peux aller faire la lessive un peu? Attendez, je regarde un truc. Ouais, tu vas. Vider la lessive, ça va se regarder, hein. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas été fait. Tu vas faire ça. Et on va refaire une lessive parce qu'il y a un peu des fringues partout, si je ne m'abuse. Tu vas fouiller les poches et tu vas faire la lessive. Ah non, non. Pas tout à la fois. Vous voyez déjà le vide pas sur la corde à linge. Dépêche-toi, Joséphine. Après, tu changes l'eau. Voilà, c'est ça qui est important dans la vie, c'est changer l'eau. Ensuite, tu fouilles les poches et... Bah, elle est contente. Et tu feras la lessive dans la bassine. Cela, il y a des fringues partout. Oh, mais je vois que petit Lulu, il est réveillé, il demande à sa maman. Il a faim. Mais maman, qu'est-ce que tu fais, maman? Oh. Ouvrir. Alors, attendez, parce que là, il y a plein de trucs. Tu vas lui donner. Tu vas. Alors, voilà, paf. Prends une portion pour Lucien et prends une portion. Comme ça, c'est fait. Tiens, Lulu! Il va rester dans les toilettes à pleurer avec les mouches. Oula! Ok. Elle va manger aussi. Là, ça va plus du tout, Louise, hein, franchement, c'est la débandade. Tira après. Utiliser, nettoyer et prendre un bain de mousse. Je pense que là, tu peux. Tu le peux. Ah bah, sur les toilettes, en train de manger, c'est la logique. Avec le chiottes archi dégueulasse. Ah, elle me fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Il veut nettoyer. Non, mais je veux bien que par contre que tu répares ça. Ça va être Gustave, ça va être la relève de son père. Hein. Je le sens bien. Oh là là. Pff. Bah ouais, t'as tout annulé ce que je t'ai demandé de faire. Bah ouais, comme d'habitude. Tu... Non, tu manges! Oh, c'est pas possible. Et tu... Après, tu prends un bain de mousse. Zen, zen, zen. Mais si, Pierre-Nard, il a des... Pierre-Nard, il a réussi, je te dis, arrête de me couper la parole, je te ferai dire. Allez, dépêche! Audi, je te vois, hein. Allez, répare. Ok, j'ai compris. Allez, remplacer. Tu veux quoi? Accrocher du linge à la corde à linge. T'as des plaisirs un peu bizarres, toi. Allez, tu vas t'amuser, tu fais ce que tu veux. Ah, regardez-moi ça.
La tante et son neveu. Ah bah lui, il va bien, Lulu. Le petit Lucien, il va bien. Tu vas faire des grimaces. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler Germaine, hein, quand même. C'est la petite dernière de la famille, mais ça fait longtemps. Mais... Tiens, Arthur! Non, 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 c'est bon, la vaisselle, on va s'en occuper. La vaisselle, on va s'en occuper, j'ai dit. Tu vas aller courir pour te vider l'esprit. Ah, ça y est, je peux plus remettre le plat. Si, ça... Va courir, ça va te faire remonter contre tes émotions. Regardez-moi ce petit bout de cul, hein, moi. Oh, oh Lily, t'es trop mignon. Bah, anime-toi, toi. Enfin, anime-toi. Oh, c'est trop chou. C'est bon, elle va bien, aller bien se laver enfin. Ah, est-ce que là, elle a besoin? C'est... Puis sa mère, quand même. Alors, il va lire un bouquin dans son bain. Bah oui, pourquoi pas, après tout. J'ai envie de dire, lui, il est très joueur. Il est parti faire un petit footing, en petite tenue de footing. Avec des petites filles qui se baladent dans le quartier. Il les regarde un peu bizarre. Il me fait un peu peur, Arthur, là, quand même. Et puis, où est-ce qu'on pourrait aller? Je pense qu'on a les bibliothèques de débloquer maintenant. Pour rencontrer du monde. Oui, en 1910, on a les bibliothèques de débloquer. Donc, parc ou bibliothèque? J'ai envie de dire, on va aller à la bibliothèque parce que parc, la dernière fois, on n'avait personne. Et pour rencontrer la future femme de Arthur, ça pourrait être pas mal. Petit footing. Ah, regardez! C'est un grand monsieur! Attendez, on va retourner voir Louise qui, elle, se fait plaisir. Bah, après, tu sais quoi? Tu pourras nettoyer les toilettes parce que tu adores ça. Mais Albert, il est encore en train de traîner devant la maison, hein? Faut lui dire de partir maintenant, il fait plus partie du foyer, hein, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'elle fait la petite? Elle se lave aussi, non mais c'est bonjour la facture, hein. Ouais, bon, elle peut se laver, elle peut. Ah, okay. Faudrait peut-être éteindre ça. Après, il faudrait que tu joues au docteur pour remonter ton empathie, ce serait pas mal. Elle est toujours avec sa lessive. Ouais. Bon, elle a presque fini, elle doit pisser sa mère. Ça va aller, ça va aller. Non, les abeilles, elles dorment. Hé! Hey, Gus, viens! Ouais, voilà, Arthur, il a tout compris. Tu vas pouvoir rentrer. Allez, hop, tu rentres. Tu fais ta vie après. Gustave, il prend la relève de son papa, j'ai dit, hein, il fait les réparations, tout ça. Il va aller déranger. Non. Nouer des liens et récolter le miel. On va voir si tu te t'en tires mieux que ton père. Il y va tranquille, hein. Est-ce qu'il va se faire piquer? Eh ben oui. Lui aussi se fait piquer. Il n'a pas le traitement timide, par contre. Récolter le miel. Ouh là là! Les mots interdits, Gus. Ah bah, hein. Ça ne plaît pas tout ça. Ça ne me plaît pas. Vas-y, renoue des liens un petit peu. Après, t'iras aux toilettes, manger tout ça. Ah, ça le divertit quand même, les abeilles, hein. Ouais, mais en même temps, il les connaît pas. Hein. Voilà, y a aucun lien qui s'est fait vraiment. Plus elles dorment, donc on les dérange complètement en fait. Bon, le temps s'est fait quand même assez tard. Ça m'emmerde un peu. Mais tu vas faire un gâteau parce que Arthur va grandir quoi. Aïe 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 aïe, ça se veut. N'a pas le temps de dire au revoir à Link, ils vont tous partir en même temps, quoi. Je vous rappelle que de toute façon, la guerre sera finie quand Lucien passera enfant. Et Lucien passera enfant dans 8 jours. 8 jours? Mais c'est pas possible. Mais ils ont changé les phases. Ah non, non, je suis pas d'accord là.
Ils ont changé les longueurs de vie ou quoi? Parce que normalement, un bambin, c'est 7 max, hein. Là, on dirait qu'ils ont mis 9. Oh non, c'est bon, ça me saoule, là. Ils sont chiants, les Sims aussi. Ils disent rien, mais... Ça veut dire, en gros, que Gustave, il va devoir y aller aussi, quoi. Non, non, parce qu'il aura à peine le temps de se marier que... Donc, logiquement, non, Gustave, non. Mais ça m'agace un petit peu. Donc Arthur, voilà, il va falloir vraiment, vraiment qu'on s'active. Qu'on s'active et qu'on lui fasse... Hop, hein, qu'on lui fasse rencontrer la femme de sa vie. Et pardon, et rapidement, malheureusement. Un peu trop rapidement même. Mais Joséphine, tu sais pas prendre soin de toi ou quoi? T'as pas vu... Mais... Arthur... Sors de la salle de bain de ta mère. Là, quand même, je sais qu'elle n'a plus beaucoup l'utilité. Mais, quand même, je ne suis pas d'accord. Bon, toi, au lieu de danser... Il est où, ton marmot? Il est là, ton marmot. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est Gustave qui lui apprend des trucs. Apprends à parler. C'est tonton qui lui apprend des trucs. C'est même pas sa mère. Franchement. Bon, on va le laisser faire, hein. Si Lulu, il aime bien son tonton, voilà, il est content, hein. A appris des mots. Bon, bah voilà, ça veut tout dire. Joséphine, arrête de bouffer! Oh là 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 là, tu vas te prendre un bain. On va prendre un bain de mousse, ça te fera du bien. Et elle danse. Mais non, tu danses pas. Ouais, tu vas t'occuper de ton fils un peu. Faire des grimaces. Illuminer la journée. Plus de choix, éducation, apprendre à dire pardon. Il sait pas encore parler, mais on va déjà lui apprendre à s'excuser, quoi. Mais lui, ça te fait des boobs. C'est plus des boobs, hein, c'est des pastèques. Hein. Fou! C'est trop mignon, le petit. Ah, ouais, j'aime pas les gosses en bas, moi, à la base. Hein. J'aime pas les gosses tout court. Voilà, elle fait enfin. Ok, Gustave s'est mis au violon. À la tête! Ah oui, là, t'as raison, hein. Ça revient pas. Bah ouais, mais son frère, l'artiste, est parti. Il se dit, bon, il manque quelqu'un dans la maison pour faire des musiques. Et elle danse, non mais voilà. Arthur! Mais divertis-toi, mec! Tiens, je sais pas, danse un peu, vas-y. Danse. Ah oui, c'est difficile. Déjà, elle danse là-bas. Tu veux danser où? Pourquoi ils dansent aussi loin? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Après, t'iras vider la nourriture gâtée. Et on fêtera ton petit anniversaire également. Tu vas mieux, Jojo? Ouais, dis donc. Le bain de mousse, ça lui a pas fait grand-chose, hein. Tiens, tu peux ranger tout ça. Est-ce que tu peux danser? Je suis pas sûre que tu peux à Spice parce que t'as Arthur qui danse déjà. Oh là 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 là. Bon alors, est-ce qu'il y aurait pas de la femelle dans le coin? Là, il y a une femelle. Cecilia De Monte. Ouf! Ok! Eh ben, tu peux aller la choper, stop! Amusante. Allez, vas-y. Va la choper. Bon, ça va, hein? Ouais. Bon. Non, il y a mieux quand même. Mais on va se la mettre dans le répertoire. C'est quoi cette musique? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah non, il est hystérique! Oh la vache, il a intérêt à se calmer parce que sinon, s'il grandit, il meurt en direct. Andreas. Lui, je l'ai pas. Alors, j'ai pas mis tous les hommes encore à la guerre. Hein, faut le savoir, ils sont pas tous racontés une légende urbaine. Bon, est-ce que t'es belle?
Non, je pense que ça va. Lui, il est pas très rude non plus, hein, donc bon. Et puis voilà. Ça changera un petit peu. Voilà, hein. À force d'avoir des roues un peu partout, là, on change un peu de registre. Une blonde, bon. Vu que lui, les roues. Why not, hein. On verra bien ce que les enfants que ça fera. Un petit peu. Bon, tu embrayes ou comment ça se passe? Tu lui parles à ta copine? Non, oui, bah, elle a un petit problème de menton, je dirais, mais. Ouais, ça peut aller, ça peut aller. Ok. Regardez ce que j'ai trouvé. Véronique Robert. Bon, elle n'est pas habillée en époque, ça doit être. Je sais pas, elle doit avoir un petit problème de. Là. Bon, il fait froid. On va essayer de la choper. Non, on peut pas. Mais c'est formidable! J'adore les Sims. Est-ce que lui, il peut? Non plus. Oh, bah, punaise, mais je crois qu'en fait, ils sont. C'est les voisins, eux. Ah bah oui, parce qu'elle est pop, d'accord. Oh, le machin, il pue la mort. Et lui? Il est tout bleu. Ah bah ça... Mais chez Albert, bien sûr! Albert fait son footing. Voilà, la guerre, je vous avais dit, c'était sympa. Hein. Bon, ça fait un peu frais pour lui, mais... Voilà. Hein, comme quoi, aujourd'hui, on le voit beaucoup. Albert est parti, mais en fait, il est pas si parti que ça. Il fait un petit peu de footing. Ben, s'il pouvait maigrir un petit peu, ça aurait pas de refus. Allez, est-ce que tu vas des pop? Ouais, voilà. Allez, salut Albert, c'était sympa. Toi, t'es encore en train de... Ah, elle revient. Oui, parce que c'est un peu compliqué, là, à lui parler, hein? T'as un peu du mal, hein? Allez, embraye, Arthur! C'est pas possible, là, tu nous fais perdre un temps précieux. Embraye! Il est minuit, quoi. Au secours! Au secours! Après, tu vas rentrer et on va fêter ton anniversaire. Un peu catastrophique, mais là, tout s'enchaîne. J'ai pas le temps de tout faire. Tu vas aux toilettes, tu vas manger. Lulu, il va comment? Oh, Lulu, ça va pas. Bah, tu vas pas aller aux toilettes. Tu vas. Oui, tu vas prendre à aller sur le poilu. Non! Eh ben, c'est trop tard. Hop. Allez, vas-y. Va qu'à tes occupations, c'est trop tard. Ça c'est Joséphine, oui. Bon. Mais arrêtez de vouloir vous occuper du gamin. Allez, Atour! Tu peux souffler les bougies, il est l'heure pour toi de devenir un homme. Et je vais. Comme c'est encore une fois l'anniversaire où je dois définir un trait de caractère que c'est pas moi qui décide. Ah ouais, je vois pas ce que je fais moi. Et voilà, Arthur a vieilli et sera responsable, compatissant, contrôle des émotions et bien élevé. C'est quand même GG. L'appli. Il est où mon dé? Il est là. Alors, bien sûr, là, je relance tout le temps parce que sinon ça le fait pas. Et il sera donc Arthur. Oh non, mais il est. Non, je peux pas faire encore une fois comme. Cela, j'ai 6, donc ça ferait méchant comme Albert. Je retire parce que j'ai pas envie d'avoir la même chose. Eh ben, 5, morose. Allez, ça, on va laisser peser. Morose. C'est la tombe rose. Non? C'est morose. Morose. Peut-être que je l'ai vu, mais sans le voir. Pitre. Ah, mais non, parce qu'il est joyeux. Il peut pas être morose, je crois. Ah! Ah, bah oui. Je pense que c'est ça. Il peut pas. On va retirer. 6, oui, bah méchant ou glouton. Bah, allez, on va faire glouton. Ouais, parce que je veux pas que ce soit les mêmes. Et puis, oui, bah effectivement. Non, ça doit être là. Okay, mais pourquoi je les trouve pas? Crasseux. Glouton! On y est! Happy birthday to you, Arthur! Happy birthday to you! Allez, tu peux appeler à table
tout le monde sera content. Oh, Bernard et Albert, ils ont envoyé un petit cadeau. Comment ça, ça pue dans la maison? Ben oui, va vider les trucs qui puent. Ah bah voilà, maintenant on peut voir à quoi ressemble Glouton, hein. Il découvre son nouveau trait. Ah bah en fait, je découvre que quand j'ai 18-20 ans, que je suis un gros dégueulasse de manger. Que je mange comme un porc. Bon, allez, Arthur. Dépêche. Ok, et ben, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Louise? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, hey, ça tourne pas rond chez elle un peu, je trouve. Mais arrête avec ton gamin. Tu vas manger. Vas-y, mange ça. Obsédé par son gosse. Bon, ça a l'air de puer tellement sévère dans la baraque, je sais pas ce qui se passe, mais. Bon, voilà. Ouais, c'est trop choupinou tout ça. Et Germaine, ce sera pour le prochain épisode. Et oui, déjà. Un jour férié. Ah ouais, bah j'ai pas du tout fait ça. J'ai pas du tout fait les farces. Mais vraiment, là, je me suis. Mais mange-toi! Mais c'est quoi ton problème? Louise, commence pas à faire ta Joséphine, hein? Ouais, voilà, Joséphine, en parlant d'elle. Jojo. Tu vas te lire un truc, je sais pas. Je sais pas. Divertis-toi et après tu vas te coucher. Même ça, au moins, ça, c'est fait parce que bon, tu me gonfles. Gus. Gus, t'as fait tes devoirs déjà? Ouais. Ouais, ça va, il a plein de trucs. Oh. Du miel médiocre. Miam, miam. Mais. À la limite, si tu veux, tu lui changes le cul. Tu lui changes la couche. Voilà. Tu vas aux toilettes, tu vas te divertir. C'est pas possible, hein. Ouais, est-ce qu'il pue sa mère, lui? Allez, hop là! La couche, elle va. Oh, un truc qui pue! Oh, bah c'est pas grave, on le met derrière le meuble. Ce sera quand on va que on va déménager ou détruire ou reconstruire la maison que. Louise, va coucher ton fils. T'asseoir, mais non. Viens Lulu, viens Lulu, viens. Oh viens Lulu, viens Lulu, viens. Ta ti ta 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 ta. Comme ça, ta mère va un peu s'occuper de toi parce que là, elle fout rien, elle en fout pas une. Hein. Mais arrêtez de vouloir vous occuper du gosse, c'est hallucinant là. Parler de son animal préféré. Elle raconte une histoire idiote. Complimenté. Voilà. Discuter sans intérêt. Complimenté. Qu'est-ce que t'es parti foutre, toi là? Ah oui, pardon. Compétence 6 déjà? Regardez-moi ça. Le petit Lucien qui grandit sans son papa. Peut-être le reverra-t-il jamais? Comme l'enfant que Louise a. Troisième trimestre en 3 heures. Ouais. On va dire que dans 2 épisodes, elle accouche. Oui! Ça va pour avoir ce qu'il y a dans le bidou! Bon, tout le monde est parti se coucher. Par contre, Arthur, c'est dormir, pas faire la sieste. Ouais. Ouais, mon petit Gus. Allez hop, on se dépêche. La maison est quand même très calme. Hey, mais oui! Ah, mais attendez. Alors, déjà, toi, tu vas dormir. Et toi, tu vas te lever. Tu vas t'attribuer ce clic ici. Ben ouais. Ah, il est content, il dit, oh, je vais gagner un lit de place. Oui, bah, à mon avis, pas pour très longtemps. Mais voilà, ce sera ta chambre vu qu'Albert n'est plus ici avec nous. Et elle fait la sieste, je m'en doutais. Tu dors, idiote.
Ah! Encore des fringues qui vont dans le panier à linge. Et c'est bon pour cet épisode. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère qu'en tout cas qu'il vous aura plu. Et on se donne rendez-vous donc pour le prochain épisode avec... Ben, on va caser Arthur, hein, rapidement avec une fille. On va fêter l'anniversaire de Germaine. Et tout ça, à mon avis, ça va être sympathique. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!